après mon pépé à ma bé, y a COVID-19, oh, et bébé, ça qui m'a cambou y a voyage, c'est là, et fungwami avec Joe Biden, pe Kamala Harris, au bête qui devait loterie, y a bête koyin dans ma bé, à partir y'a le 7 mai, oyo, na 18h à Kinshasa, bah, résultat devait loterie 2023, et kobando bima bisounyoso, toki mambangu na basibia café Ben Lobich, Oye Zouami na veni et Sanja numéro 2 en face Hôtel Phoenix, na bon marché na commune ya Barumbu, pe oye ya Djangu et kangamina immeuble Apocalypse 22 na commune ya Massina. Les alinga inde kuna bino Ben Lobich na eko annonce bino ke résultat ya Deve Loterie 2023 eko bima. C'est samedi 7 mai à 18h. Yango si ba cyber café Ben Lobich et fongoli ba porte na bango pour na koyamba bino, pour na kosunga bino, pour na ko vérifier ba résultat na bino en toute sécurité. Et tozali ko senga na bandeko ba ko gagner ba bureau na biso ezali awa. Ezali koyamba moto nyonso pour na kosunga bino na ba conseil, kosunga bino na encadrement pour ete bozo ba visa na bino pour boko kisa ba rêve na bino américain. Pour na ba oyo ba ko gagner deve loterie oyo, kasi bazana mbongo te pour na ba démarche ko voyager pe ya kay. Yebe te nyonso koza la prise en charge na ba cyber café Ben Lobich. E bongo yo mutozalaka na poto France, Belgique, États-Unis d'Amérique, otika mwana tope famille na yo na République démocratique du Congo, oza na posa ba koma na mboka Oncle Sam veut dire États-Unis d'Amérique, occasion yango yo. Penga na ba numéro oyo +243 81 81 11 214 001 202 913 89 20. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 Avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamu. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Allez, Mbote Nabino, pour la deuxième fois, Balandi Nyonso, il y a Bosolo na politique, Bosolo télévision, Tokutani Isusu. Merci encore une fois pour la confiance, pour la, s'il vous plaît, pour la confiance. Et Lydia, pour la confiance, la fidélité, au besoin de témoigner à l'égard, il y a Bosolo na politique. Merci encore une fois, parce que Bosa est belé. Bolandi, premier round, Sigo Tokuti, deuxième round, on va tenter de parler de tout. Place Bosali, j'espère que Bosa malam. Tous allés en direct sur Facebook, tous allés à YouTube, tous allés en direct na télévision. Alors, beaucoup qui vont réagir à travers le numéro où ils allés afficher au bas de votre poste téléviseur. Peter Kazadi, député provincial élu à Kinshasa, précisément à Moamba, la Lemba. On va parler de tout sauf rien. On va récupérer l'actualité politique, on va récupérer réconciliation, il y a Katanga, la Katangaise en général, et puis la loi électorale. Trois points en gonde, to kangi le lopo, teto lo banyon sou ezali, important. Bozola nabiso, tous les coups sont permis sauf les insultes, mais nyon sou ego betama. Bino pe boza libre, bo gobeta pe mbo dindenge bino bolingi. Mais bobo sanate makam na lobiawa, ba politicien, il faut basenga biso pardon. Honorable Peter Kazadi, mbote. Mbote ndeko, boni. Oui, ça va, boni opé mikole bele. Ozaki na poto, uti kozonga. C'était prévu tout ça l'émission depuis semaine passée. Yo, ozaki na poto, tamboli Angola, nazo mona ka ozoki ta ozomata. Tokuta na ndeni. Ezaki vacances parlementaires, te yanga ezaki voyage à Moussala. Yo, ozaki vacances parlementaires. Rianga yi na ozaki na poto ta. Zaki na poto te. Politicien wanga na facilement. O tenga zana yi de peste. Jo mso web sa biso pe ka poto. Ah. En 1990, quand démocratisation et salami,
tous à parmi bato à l'ibosso, tokina na lupango Etienne Tshisekedi. Pona go sepena. Bandawana, tous à engagement ya ko accompagner IDPS. Très bien. Donc, ko accompagner Etienne Tshisekedi, na ba union so bazaki autour naï, na komba naï. Mais Peter Kazadi, au côté depuis 1990, c'est parmi les rares de fois IDP c'est Zangi ba carte. Pour le moment, on a la carte. T'as. Aux ans, la UDPS. Non, on a la carte. Il y a IDPS et Akala. Oui, oui. Bon, ton sala ba carte est belé. Oyasuka, on a la carte en 2018. Mais pour l'instant, Moutouaza au sala la biso ba carte avait connu des problèmes. Le secrétaire général, Augustin Kabuya, a joué bunda bunda na minute pour que Babanda ko délivrer ba carte na ba combattant. IDPS au pouvoir, on croyait voir peut-être IDPS parti beaucoup très ouvert pour permettre de joindre ça là. Mais le départ est aux alibélés. Qu'est-ce qui se passe? Départ n'est rien. Départ, le coup, là, il y a quelques combattants. Bah, où tout le monde va parler mater debout. N'est rien. Le parlementaire est debout et belé, pour ne pas rien. Citer les noms de gens. Non, mais Tangilanga Tamoko. Ah, il faut forcément l'attendre à Kombo. Attends mon co comme ça n'a pas soi yano. Donc il le loba le wananté. Bon Kabunda qui est là. T'es qu'à Kabunda, par instance à partir de Longola et pour nous. Est-ce que oui, Baradia est parti. Donc, Bazo Bazo qui n'est pas fidèle à Kabunda, de Bazo qui est. Batunaye n'est-il secrétaire particulier. Bato a travaillé na Bango na cabinet na ya. N'assemblée. Bazo qui n'est pas la raison du parti, Koufi, Tokabouni, Moutazo, et Pézo. Pour chef Nabango Akei, loko la Zana Bambisson et Bélé, Bamoni qui Bako qui n'est pas la Makam Nabango, ce que Tali Lelo, ba structure n'y a parti. J'ai dit bien structure n'y a parti. Moutomogo a l'onga Zate. Ba cellulaire, Bamonde, Basima a parti. N'y a pas de baza. Ba fédéraux, n'y a pas de baza. À part Bandeko Oyo, Kabunda qui na bango, ba membre de famille, baninga, oh basa qui autour nae, quelques uns, des baso salaba moi bilou na bango, na baso koma bango moi lettre na moi français moko amabe, ba vu que balongo na ide presse. Mais botika li statiko, parce qu'il fallait ba adhésion zala. Parti ezo zo ba adhésion penzate. Qu'est-ce qui se passe? Ba adhésion na ide presse. Moi personnellement na yambaka ba appel, ba tu ba autour na comment il faut adhérer à l'ide presse. Le problème c'est que nous ne faisons pas la publicité. Et chez nous, l'adhésion ne se fait pas au sommet. Il faut aller à la cellule. Donc, dans la cellule, chaque dimanche, il y a des réunions. Contrairement à autres, tout le monde a la TV, Moutouakei, Folklore, Mbundabazo, Beta, Valobi a adhéré à la partie Moroboui. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Batoué Bélé, Bazan analyse, on a évité ce que vous partagez à moi. Que ceux qui osent en opposition critiquent et zalara aisés, mais ceux qui ont commis à pouvoir réalité zangosus. Est-ce que l'UDPS a trouvé une autre réalité tout en étant au pouvoir? Contrairement à sentiment, à engagement, à l'allégation de Sazaki dans une opposition. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on est dans l'opposition, on n'a pas toute la réalité du pays. Mais tant que Bozo est au pouvoir, Bozo mon réalité. Et ça, n'a pas tu as sous-estimé tant que tu as une opposition, tant que tu as mis en pouvoir, tu as une gravité. Et ça, tu as aggravé, tant que tu as mis en pouvoir, tu as dit que non, ce n'est pas aussi grave. Donc, il y a une différence, ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez comprendre, par exemple, qu'il y a certaines choses que vous avez condamné Kabila pour rien, mais aujourd'hui, Kabila est en opposition, vous avez le pouvoir, Kabila avait raison, peut-être qu'il était fort dans certains dossiers. C'est vrai que Kabila Azaïka a mabé dans ma camion sauté. Ils ont un exemple, moi, on a payé ça. Au Bissot, ton Dima, Bouta Tozaï, dans l'opposition. Ils ont c'est vrai que c'est Parlement, ou adopté qui code minier, mais c'était sous l'impulsion à Kabila. Il avait pris un courage exceptionnel pour faire passer code minier en dépit des pressions qui venaient de toutes parts des opérateurs dans le domaine minier. Donc, c'est quelque chose de positif. Nous l'avions approuvé dans l'opposition. Et aujourd'hui, nous continuons à dire que c'était une très bonne chose pour le pays. Donc, Kabila Azalaïka Kamabete, mais Mabende Zagima Mingi. Ça, c'est une vérité. Nakolo Bate que Kabila Azaki Malam, non. Moutunyon Soazaka toujours, na Mabé Naye, na Malam Naye. Mais ce qui Mabé et Leke Bele, ne Batsuko Bazo Monake, non,
yo komika mutu mabe. Mais sinon, ba mwa ndambu, ya mwa bolamu, et zagipe. Mais quand les gens essayent de comparer la gestion à Félix Tshisekedi, la gestion à y a Joseph Kabila, Perrault Louar, un célèbre journaliste congolais, prend le courage d'interpeller la population pour envoyer Sabaroba Senga Kabila, pardon. Parce que non. Comparativement à la gestion, Monique, c'est vrai que Toroko Mamabe à Kabila, mais Binonde m'a beaucoup de l'équipe, il est Kabila, il faut revenir dans le sentiment. Koloba Kabila, vous savez, Ndekwana, le Bible, Kwana, mais il n'a pas d'apprécié élément à comparaison. Quand on compare, on dit na telle chose, Tala Kabila Salagi Boye, Tshisekedi Aye, Abomi. Hein? Plus Makamwa ne soko ma ebele, nde toko lo bagetou senga Kabila, pardon. Mais ya lobi na ekaka, toibi ndenge ponani na zolo babongo, toibi moutouni na tinda kaya lo babongo. Moutouni, pero lo baga depi kala, un journaliste libre indépendant. Nini, mon frère, bisonyon so, to vivre na Kishasa, toibani. Toibi moutouni ni azo tinda pero, isa Kabila te. Isa ka moutoumongo tozana yena koalition a Union Sacrée a, yende moutapé saka imbongo. Il y a aussi financé même par journaliste. Oui, mais ça va être que Jean-Pierre Bemba, Tindy Perrault. T'es déjà Jean-Pierre Bemba. Bah, tu pètes. Bah, tu pètes. Na autant que mon a été mami. Et ici, je profite de l'occasion pour envoyer Ngaï. Azoa courage Naï. A longwa na Union Sacrée. Pour ce qu'il fait, c'est de la lâcheté. Il y a quand même ça la politique, alors que Bissot Oibi Gezaï. C'est une lâcheté. Et moi, je demanderai. Que le président de la République a une responsabilité à l'ongola bango na gouvernement. Ba kota na opposition, comme ça, baba na ofinga biso bien. Puisque ça ne sert à rien. Comportement ya bande kwana. Je parle ici de l'ensemble. L'ensemble à Moïse Katumbi. Oui, oui. Baza na comportement exactement oyo FCC azaki na yango. Ndenge tozaka na coalition na FCC. Ndenge ensemble ya Moïse Katumbi ezo se comporter. Bino bozo linga botonga, bango ba détruire. Bino bozo dinga botonga, bango ba détruire, au motif que Tshisekedi seul a porté responsabilité. Lokola Moïse azana posa, ya kokoma président de la République, il est en train de détruire de l'intérieur. Et ça, c'est inacceptable. J'estime qu'il est temps, azo soit yemoko courage, à longwa na kati ya gouvernement, où il a dirigé, na Tshisekedi ou bazo finga incompétent, à ça la opposition. Pour que bilan o Tshisekedi a gozala na yango ezala ya yemoko apporter yango yemoko ke kotika la kosala buzo bana ba osala. D'autre part ngai na osenga na président puisque c'est connu toyebi ke Katumbi azo détruire ce que nous sommes en train de construire. Balongo la bango na gouvernement ba kene na opposition. Par quel moyen? Par quel moyen Katumbi a détruit sur base de quoi? Mais ndeko tangu yo ozo financer ba journaliste ba finga action gouvernementale o yo zanakati avec des ministères importants bazo finga coalition o yo zanakati même ce n'est même pas caché ba proche naye bazo komana na ba Twitter bazo finga ba critiquer to ibi bango bien qu'ils prennent le courage de dire que nous sommes de l'opposition. C'est ça la responsabilité en politique. C'est s'assumer, assumer ses opinions. Ne pas vouloir partager l'échec que l'on voit venir. Puisque pour eux, Tshisekedi a déjà échoué. Mais pourquoi vous osez la Moïse Katumbi à Longwa, la place qui est bien au Longolaï? Avec Kabila, pona, avec Kabila yoka, omoni, s'il omoni, vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Kabila, bino batu bo longola ete, bino batu bo kabwana na Kabila. Oui. Alors que boko kaki pe koze la Kabila jura ko lemba kende, mais Kabila zale kawana. Bino ne bolonga, mais pourquoi bozo linga ko longola Moïse Katumbi te? Nini. Bozo flatte bolo bagye moko kwa. Ngai, omoni ndenga na zolo babo. Hein? So ki nandimite ba o change, meto o kabwana na bango. D'une manière ou d'une autre, toko kabwana na bango, basa la opposition, Bati Kabila surtout assumé échec na bise. Bokabwana na bato ebele. Nous on m'a dit même avec Kabila. Combien depuis boye bokabwana ka na bato? Ah oui. Tozo kabwana na bato oyo bazo s'inscrire na logique ya otonga mboka te. Soyi tokabwana na FCC na sina expliquer na plateau na yo ao. FCC izaki na réunion ya conseil des ministres bazui décision. Soki sili mwilanya convoqué bango. Ayebisi bango makamunyo so balobiana bosala te. Nous avons des témoignages.
Alors, comment on pouvait continuer? Moi-même, j'ai négocié avec les Mouilanyala. Je leur ai dit ce que j'ai dit là. Bah, j'ai besoin de ça, là, tout est bien, au boutique. Bah, yo quitté. Allez, on a décidé de rompre, puisque le salut du peuple reste la loi suprême. Donc, avec Katumbi, finalement, vous serez obligé de faire ça. Pour Nangaï, il faut qu'on cabane. Je ne les considère pas comme un allié. Un ennemi. Un adversaire. Un adversaire politique. Ou travailler contre Bino. Oui. Kabila, 18 ans au pouvoir, mais Kabila, à un certain moment, discours n'a Bino population, discours n'a Bino opposition, et ça, il va vomir Kabila. Avec la réalité sur le terrain, peuple a Komaki, impatient en changement. À mon avis, Mambozo a changé, social a commis problème. Il n'y a qu'à espérer l'opposition sur le pouvoir Mambozo change. L'opposition est juste en début. Trois ans après, par rapport à Nenge Batoubaboué qui Kabila Nasuka, Nenge Bino Bozalelo, sur le plan social ou sur tout le plan, vous allez satisfait que vous avez donné au peuple, au peuple à Lukaki, tout le monde est en train de faire. Ce qui est en train de faire, ni le monde est en train de Israël. Kabila sala mabe mingi. A sala yipe mwa bola mke ende na uta uloba. Me mabe ele kaki. Na koki ko banda wo rappele angote. Les gens en avaient marre et lui-même était conscient. C'est pourquoi il a quitté les pouvoirs. Non, Kabila a quitté parce que constitution est sala ki. Non, Deko. Kabila a respecté la constitution. Kabila a violé la constitution pendant 2 ans. A sali glissement à 2 ans. A sali na respect à la constitution te. La pression populaire nde sali ke na souka. Alonga a imposé à Tamutunaïté, puisque Azagina Chadari pouvait l'imposer. Mais les PPRD et les FCC étaient tellement désavoués par la population qu'ils n'avaient même pas moyen de tricher qu'on imposait Mutunamakasi. Yangwana Kenda. Le mal était profond. Tozala Ginetina, 20e étage sous-sol. Tango Bozo ya, Bozana 20e étage, il faut qu'on banda, Ocha moi ma belle, Bozo matanda mundambo. Si vous avez une surface, si vous avez une surface, après vous avez une surface. C'est exactement la situation à pays. Nous avons un élément de comparaison. Kabila a longo et a tiré libiso 6,1 milliards dans la réserve bancaire. Les lots ont 3 milliards. C'est quand même quelque chose qu'il faut applaudir. Bah, enseignant Kabila a tiré libiso 50 000, 60 000 francs. Les lots basan a plus de 250 000, bamsou basan a 400 000. Bah, tenir nga rigueur, n'a koyo lo ba chiffre peut-être, eza exacte, mais je sais que, bah, longwe na place basalaki, on a doublé ou même triplé salaire y'a enseignant. Bah, médecin ou na robaki, na oki basili, ki na moni bamsou ba komi ou sala ba communiqué, bah, menace. Mais je n'ai pas menti, peut-être j'avais exagéré. Salaire, ce n'est même pas les salaires, prime, il y a un médecin. Et si là qui valait, et comment qui copie ça, bah, 400 dollars. Si, si, je sais qu'à l'époque, les lots, sous Tshisekedi et Matina 700 dollars. C'est presque les doubles. Donc, ce sont là des choses que Tshisekedi est en train de faire. Mais, ils ont minime. Puisqu'ils ont concerné seulement quelques catégories à Batou, moi, et Batou, nous sommes. Et puis, tous en boka moko, 80% presque batubasa la raté. Donc, batubaso sentir nanou, moi changement à l'anté. Côté, y a justice, les loyaux, ko yi bambongo à l'État, yo za communicateur mounene, oibi moussala, IGF azo sal. Les loyaux pona moutoua yi ba azo raisonné, a talibana, a talimoasi, a kanisi boloko, a changé moi mouke. Je sais que nanou ici l'union sauté. Ça fait partie du bilan de Félix Tshisekedi. Donc, tout ça ne se faisait pas sous Kabila. Ce que les gens doivent savoir, c'est de regarder ce qui se faisait sous Kabila. Est-ce que ça continue dans les années au Salama? Les lots, bah, changement na Ezali, ils sont perceptibles, ils sont palpables. Mais, bah, toi, monté, maman, bah, zo, boya, on dimango. Donc, il y a quand même changement. Tu es conscient que, nan, toi, atteindre vitesse de croisière, t'es, nan, toi, atteindre, oh, pour ça, la population, balingité. Yangoana, nous continuons à travailler et on ne pouvait pas éradiquer tous les mâles de 18 ans ou de 30 ans de Mobutu, Otokutana Mesa, Tosi Isango, dans peu de temps. Ça, c'est un autre élément qu'il faut dire. Les lots, 3 ans à pouvoir. Non,
Tout ça, il y a une année et demie. Oh. Parce que une année et demie. Pourquoi pouvoir en 2018? Pouvoir en tout cas, Kabila a dirigé en haut à 65%. C'est-à-dire que c'est lui qui gérait en réalité les pays. Comment ça? Kasi tango, Ozana a 65%, il y a pouvoir na maboko. Donc Félix Azagin est échantillon. Échantillon, t'es. Azagin a 35%. Na 35%, non, azo bunda sa la bolam. Azo linga traîné 65%, Ozagin a maboko, Kabila toke ne liboso. Kabila azo résisté. Yango tango, moni que non, ça ne va pas. A mettre fin à la collaboration. Donc, Lelo, Félix Tshisekedi, Azana a plein pouvoir, il y a une année et demie. Azana a 100%. En tout cas, Lelo, Félix Tshisekedi va assumer les bilans d'un an et demi au Yassalié Moko. Donc, il a 3 ans. Trois ans, on a Kabila Moutouazagi dominant. Et puis, attends, on a un peu de Kabila, on a Lelo, Bazolo, Banaoki, Moko, Lobi, Lelo, na RFI, Oto Sangani, na Lubumbashi, pour récupérer le pouvoir. Pourquoi ça, Naoni? 18 ans. Bazagi na pouvoir. Yewana Moutouazo, Lobana, Zagi, ti ministre à l'intérieur, ao. Et là, comment on va s'aliser? C'est quoi? On va récupérer. Té, Moussouso, Nani. Oua, Zagi, secrétaire général, a PPRD à Liboswana. Comment on a eu qui m'a dit? Zagi, secrétaire, avant Mouvre. Avant même Kamere, je pense qu'il était secrétaire général. Naoki, na RFI, Azoro Bake. Sangani, na Katanga, pour pas récupérer pouvoir. Donc, pouvoir, en gros. Bozo zongo kakapo, boza bakatange, bolobibiso bakatange, kakande, photos en a pouvoir pour ne rien en faire. Encore que ce n'est pas tous les katangés qui sont dans leur affaire là. Et puis, les problèmes, mon frère. Les lots aux discours, bakatange, bazo nyokwama, bazo maltraité, bango, tout ça, puisque Kabila n'est plus au pouvoir. Si, Movandengo Tangye, azana pouvoir te, ça veut dire, bakatange nyon se va na pouvoir te. Ce qui Munganga ou Aloba Mingi. Kabange Numbi. Ce qui est Azan ministre T, Azan siège à pouvoir T, tous les Katanga n'est pas au pouvoir. Non. Premier ministre Lelo Azan n'a pouvoir Azan Katange. Directeur de cabinet à Mokonziamboka. Azan Katange, Azan n'a pouvoir. Ba ministre Katange, Bazan n'a pouvoir. Donc Bango Baza Bakat. Ministre sport. Donc Bango Baza moins Katange que Batu O ba pillé Mboka pendant 18 ans. Bo pillé, ba désavoué binopti na village na bango, ba désavoué bango. Lelo ba monike, moi bazonga devant population ba voter bango. Je vous donne une information. Hein. Allez-y. Ba ça la démarche, ba on a ça la déjà démarche. Ils nous ont contactés. Ba toi pe per dewan. Ton moni élection yo salama na 2023 te, to yo kanato négocier, to pour ça, t'as 2 ans. Comme ça, tout gérer ensemble. Voilà, bah, t'as pas perdu. Bah, t'as pas perdu. Bah, contacter Abino. Oui. Alors, ce sont des gens qui savent que ceux qui élection et salami les loto lobby, bah, vous votez, bah, voter, bah, ils vont se retrouver nulle part. Pour torpiller, processus, soit en haut et qu'on exclure, bah, proprement. Puisque les loto, moi, et toi, ben, on a parlé, mais ils ont dit, bah, on a mandat, on a bango. Mandat, on a bango, ils aussi, là, en 2023. Donc, bah, on sanctionne, bah, on s'y a bien. Balongwe bangonyonso nde agitation zomona oyo tantôt réconciliation et kobutike ba prétendu rébellion ou bakatakatanga ils font des manœuvres, ils travaillent sur des fronts, soit négocier avec Tshisekedi pour prolonger, les réintégrer dans les institutions pour qu'ils continuent à avoir la main basse sur le pays, ou alors provoquer une insurrection et justifier quelque chose qui peut arriver de mal au pays. Donc ce sont des gens qui ne travaillent pas ni pour les Katangais ni pour les pays, ce sont des gens qui travaillent pour les pauvres. On va parler de la réconciliation, mais parlons d'abord du bilan, Félix Tshisekedi. Même si aux Olobela une année, mais la constitution ne donne à Félix que 5 ans. Oui, nous assumons. La constitution n'a pas dit que Félix... Nous n'allons pas récupérer un an et demi perdu avec le FCC, ça fait partie de notre bilan. Mais exactement. Et que nous partageons avec Kabila, c'est pas grave, mais nous sommes en train de travailler pour... Est-ce que vous allez satisfait? Est-ce que la population a eu même bateau à voter qui aux autres? Aux autres, la rabamoune est longue. Aux autres, la satisfait. Non, je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne peux pas dire que ça n'a pas marché. C'est en train, c'est en marche. Mais seulement, on n'a pas encore obtenu quelque chose pour satisfaire la population. Mais on travaille, n'est-ce pas? On construit à gauche, à droite. Il y a des changements, il y a des signes depuis que Tshisekedi est là.
banzela iso tongama ba so de mouton ba hopito ba école amélioration ya ba salaire ba mususu. On est en train de travailler pour que à un moment donné toi comme attend à 60% ba tu ba ressentir que ba policier na biso soldat au soldo bazo zo lelo izao bazo ko zo suka bilate quand même il y a un changement mais lokola eza catégorie moko o asa militaire tena na bénéficier en côté ba ko sentir ka kanete lo ezati. Donc je ne peux pas dire que je suis satisfait na niveau toza na ngo lelo. On a beaucoup à faire. Ce qui compte en politique, c'est la bonne foi. Nous avons la bonne foi d'aider ces pays à avancer et nous y travaillons. Très bien. C'est-à-dire ici, on peut conclure que Makambo Bele Bolobara en opposition, tant beaucoup mis à pouvoir, beaucoup de réalité moususu. Biloko Bele Pe Bolobara Mabe à Kabila, Boyoko comprendre les lots que les Alars ont raison, les Alars ont pression politique. Par exemple, Kabila a été taxé sous votre régime de l'opposition. Bobenga Kabila est rwandais, donc après vous vous êtes rendu compte que Kabila n'a jamais été rwandais. Ça c'est une vérité. Ngai personnellement, n'ayant quoi aborder ma question en athée. Hein? La question Bobanda ou quoi ça? Nalobi, n'alingi quoi aborder en athée, n'alingi quoi infirmer tout, quoi confirmer t'es. Hein? La nationalité, ça peut aussi être une fiction juridique. Hein? Mundele Mokwasa Nagatanga Kuna, Libanais, Aya Congolais, élu député provincial, Aza Lelo ministre provincial. C'est un Congolais. Alors, je n'aime pas faire ces débats-là. Mais ça dit, pourquoi l'opposition pour le utiliser une arme non conventionnelle, par exemple, pour taxer Kabila d'un étranger? Et donc, on est tigala dans l'histoire. Congolais. Siko yo lingina kota na ba deba ndenga na ba na wala kisake oyo origine. Na monayi Moïse Katumbi awa zoloba. Alobi ke Kabila ya gina passeport Tanzania za Tanzania. Alors, soki Kabila siko wa zui nationalité congolaise mabeza. Na monayi Kabila pe alobi oyibi nga na zaki na sistaki na dialogue ya Senko, non? Nabana ko accompagner président Félix na négociation sur Katumbi. Tambwe mwamba bimisela biso silabis ao. Na ba document ozo la kisa Katumbi ala étranger. Ba passeport. Mon côté a ba nationalité différente ao la kisa. À cause de ça to gondi Katumbi azonga te c'est un étranger agende. Le lo Katumbi ala tambwe mwamba. Ah oui. Nazo lo bango na TV. Ambongo témoin. Lelo, Katumbi Azongi, président Félix a payé ses passeports, Azongi s'est lié, aïe, va se réconcilier na Kabila, va m'en baler, va m'en baler congolais. Bon, t'as quoi ta réconciliation, c'est là, non? Parce que Makambo, nazo comprendre, t'es en la lobby, bah, politicien, Makambo Zoloba. En fait, moi, m'brie, peuple, na niveau, moko. Makambo Zoloba, le corps rattrapé, bino lobby, ça dit, bozo kosa, bozo boum, ah, politicien. Je ne sais pas. Qui est vrai congolais, qui ne l'est pas, bino moko Zoloba, Makamuna bino, bolanaï koko nyangiawa, qui taxe Moïse de tout mot, bolandi Moïse kuna, il va taxer, bino moko en opposition, bolo baka Makambo Bele. Je me rappelle, Félix Tshisekedi disait, peuple, azali, zo, batte, poape, sa deuxième mandat, na mouta, zo, nyokolae. Mais oui. La peine à 2023, peuple, vous allez la battre. Oui, effectivement. Ce qui, président Félix, a fait si bilan, Mogwa Biente, peuple, vous sanctionnez. Mais bien. Moi, je suis sûr que d'ici 2023, Bat va sentir. Changement, il y a déjà. Mais Batouna nous va sentir en haut, na hauteur, oyo, convenable. Ouais. Et nous travaillons pour que d'ici 2023, Bat va sentir, va voter le sous-président Félix pour qu'à parachever. Ce programme-là va transformer la figure du pays. Et comme ça, on a un village. Na yo. Et comme ça, on a un monde d'Afrique. Un village où il y a un bâtiment moderne. Il y a un village qui est en train de se faire. Il y a un village qui est en train Et comme un monde d'Afrique. Bon, on a un bon côté. Mais. On a un président de l'Oubaï. Papa. Na plateau zo ya mangati. Si nazo tu na pete. Ngai na lobby ke toko transformer mboka oyo na projet ya 145 territoires. Eko koma lokola Allemagne d'Afrique. Soki komi Allemagne d'Afrique ezama bete. Yo est-ce que Allemagne ezama be? Très bien.
On est en direct. On va entamer un deuxième sujet, réconciliation entre les Katangais, qui autrefois, les uns les autres, se sont taxés de mots, de noms. C'est pointé. Yoza étranger, yo posa étranger, yo posa, yo posa. Mais finalement, bah, on m'y balé. Sauf Ngaï, bah, non, bah, pointant, bah, étranger. Ngaï, nazo, c'est la pardon, Ngaï. Nazo, c'est la Moïse Katumbi. A Senga, pardon, officiellement, a Ebisa Bisso, qui a Kosaka Bisso, Kabila Zalaka, mal incarné. Et que Kabila n'a pas tué. Parce qu'il n'y a pas réconciliation sans réparation. Nazo, c'est la Bakoko Nyangi, pour Nabisa Koko Nyangi, Katumbi, ça, Zonga Kala. Azonga kala, azali sou escroté, azonga kala, et puis Katumbi, aza katange, aza kongolete, ndenge bo présentaka kaza kongolete. Bo repare yango liboso a peuple, bo ebisa peuple. Bo ebisa peuple to ebo. I depes pe ba ebisa biso ke, Kabila azalaka na ye étranger te, Kabila azalaka normal, azalaka étranger. Je peux aussi comprendre ici, même que Martin Fayulu, qui constituait une force pour l'opposition, malheureusement, il s'attache à... Il va s'associer à Matata. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver au juste. Je ne sais pas, mais bon, voyons voir. Alors, on va prendre Forum. Forum où est Salamikuna et Réconciliation. Joseph Kabila, les Raïs. Il y a un Kabila qui a le dénominateur commun à Makambol. Il y a un Kabila qui a le Congo qui a le Rwanda, qui a le Rwanda, qui a trois fongola, ma bomba fongola, qui a le Rwanda, qui a le Rwanda, qui a le Rwanda. Kokonyangi. Alors, on va prendre d'abord, Joseph Kabila a pris quand même la parole. Na Katia Forum, on a une réconciliation entre les Katangé. Joseph Kabila, Lubaki, Bogotala Yango, Moïse Katumbi na Kabila, Bayeko Yambana, Basokoli pe Mabouko ensemble, Bakundi Mabé na Bangonyonso, mais na Yebikake, ceux qui réconciliation, ça au Salama, moi, commission à Mouke, il faut ezala, pour na ko définir règles du jeu, banani, babé banaki pour na problème, ni, bo réparer problème, ne bo sali réconciliation. Est-ce que Nyon Souzala qui est établi? Je ne sais pas. Alors, on va suivre cet élément. Mais il y a aussi des Katangais qui sont contre cette réconciliation. Ngaïté. Sango Alobinga, Ngaïté. Des Katangais qui sont contre cette histoire. Ngaïté. Sango Alobarate, Sango. On va suivre Dick à peine, un Katangais qui a parlé. Vous allez le suivre. Un Katangais qui a été emprisonné sous Bakatangais, mais à l'Obipia. Vous allez suivre également un artiste révolutionnaire, Mafoura. Il n'est pas s'insurgé contre cette activité. Vous allez suivre aussi Thierry Nzonde. Mon côté, mi balete misato. Baza e bele. Mais pour Nangonga, je suis à trois. Suivez en image. Comme ça, Peter Kazali. Ape sa makansiraye. A tout à l'heure. Yakomba, y a moi aussi au cérémonie à réconciliation. C'est plutôt cérémonie y a unité à Katang. Unité à Katanga, na nafikiria mwe vote mulifuata ma résolution. Ya muhimu sio résolution ambayo ilisomwa. Ya muhimu ni kuhakikisha kwamba hiyo résolution inafuatiliwa na inakuwa respecté, inaheshimiwa. Voilà. Rais. Hiyo ndo ya muhimu zaidi. Ndio. Yote ambayo ilisemwa kwenye igizi ni ya muhimu, lakini ya muhimu zaidi ni ambayo tutafanya. Voilà. Kwa hiyo kwenu nyinyi wote vijana. Kwanza naona vijana ni wengi kushinda wazee. Nom de parole. Munakuwa wengi kutushinda sisi. Ya muhimu nyinyi vijana ndio jeshi letu. Jeshi ambalo litahakikisha kwamba hii resolution inafuatiliwa hadi mwisho. Kwa hiyo felicitation kwa wote. Naanzia na archevêque ambayo waliweza kuorganize
ceremony. Atu ya kuchoka. Na hii forum, na mimi sijawachoka. Félicitations kwa wajibu wote wa maigri zingine ambao wamefasilite hii ceremony forum na kazi kubwa inabakia ni kwenu vijana. Voilà. Vijana wa Katanga kazi kubwa ni kwenu. Voilà. Kwa ajili ya kufanya suivi. Voilà. Na kurudisha kila mtu ambaye ataenda pembeni. C'est seulement une dénomité de la réconciliation de la paix. Et de la paix à la réconciliation catalane, cette réconciliation doit être franche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Particulièrement parce que nous parlons de la réconciliation, qu'au Katanga, mon ancienne province, il se tient sur convocation d'un évêque métropolitain, un forum de réconciliation entre Katangais. Hier, la province du Katanga s'appelait Katanga. Curieusement, aujourd'hui, j'apprends qu'on l'appelle Grand Katanga. Pourtant, la logique simple serait que ce qui était grand, quand c'était mietté, ça devient petit. Les gens sérieux devaient s'interdire de raisonner comme ça. Lorsque vous avez une unité comme ce téléphone, vous le prenez, vous le brisez, et vous reprenez les morceaux, vous dites, vous avez un grand téléphone. Je ne partage pas ça. Parce que ce n'est pas normal que cela soit conçu par les gens qui ont la tête de cerveau, et surtout l'intérêt de la République. Aussi, ce qui me rend malade sur cette question spécifique, c'est que le 17 mai 1997, moi, il dit, je suis arrivé à 4h du matin, tu peux t'installer, samedi. Aujourd'hui, que Laurent Désiré Kabila, fils du Katanga, a bravé toutes les difficultés pour libérer ce pays et prendre le pouvoir, ce jour est solennel. Il se trouve dans la mémoire des citoyens congolais, de toutes les provinces. Ce jour est décrété chômé, à mémoire de cette révolution. Ce jour est décrété payé. Mais c'est aujourd'hui, ce jour-là, que les Katangais, entre parenthèses, décident de se réunir pour se réconcilier. Alors que tous les Congolais sont en train de fêter la libération que Laurent Désiré Kabila, fils du Katanga, a donné à la République. Moi, je ne comprends rien. Les gens auraient réfléchi sur le calendrier, ne fût-ce que par respect de la mémoire de cet homme, que toute la République célèbre aujourd'hui. Mais ils ont choisi ce jour. C'est probable qu'ils aient choisi une symbolique qui explique tout. Si les jours d'une messe de requiem de votre frère, de votre parent, de votre épouse, de votre enfant, quelqu'un de votre famille va dans un bar au lieu de vous accompagner à l'église, sachez qu'il n'est pas le vôtre. Merci beaucoup mon frère pour la question. C'est quelque chose que nous devrons louer, applaudir et féliciter quand nous voyons deux frères katangais qui se réconcilient. Et ce serait quelque chose qu'on aimerait aussi voir dans d'autres provinces où nous voyons des leaders qui se réunissent, qui mettent leurs intérêts à côté et privilégier
les intérêts communautaires et les intérêts nationaux. C'est une très bonne chose. Mais simplement, ce que nous refusons, c'est que l'ancienne classe politique puisse récupérer et en faire pour eux une récupération politique. Nous n'en avons pas besoin. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a cette ancienne classe politique qui veulent donner un message à la face du monde, comme si les deux leaders katangais qui se sont réconciliés, c'est pour conquérir le pouvoir. Ça ne sera pas bien, ça ne sera pas un bon message, parce que ça va amener des gens au tribalisme. Pourquoi je le dis, cher ami? Vous savez qu'aujourd'hui, le Congo, ce n'est pas seulement les Katanga. Le Congo, c'est aussi d'autres provinces. Si tous les leaders doivent se réunir pour conquérir le pouvoir, alors qui votera l'autre? Parce que les Kassers vont se dire, nous nous réunissons pour reconquérir le pouvoir, pour prendre le pouvoir. Les gens du Kivu parleront aussi de même langage. Nous n'avons pas besoin de ça. Tout ce qui nous amène là-bas, c'est cette ancienne classe politique qui doit être renouvelée à tout prix. Parce que tant qu'on ne va pas renouveler cette classe politique, cette ancienne classe politique, remplacée par des nouveaux acteurs qui vont venir donner des nouvelles méthodes, nous n'allons jamais décoller. Parce que eux veulent donner ce message juste pour que eux rentrent encore dans la course du pouvoir. Ça, nous n'avons pas besoin. En toute humilité, retirez-vous, demandez pardon au peuple katangais, vous, demandez pardon aux Katangais et retirez-vous et laissez d'autres gens. Nous sommes au moins 85 millions d'habitants. Et c'est aussi pareil, et c'est aussi valable sur le plan national. Tout ce monde-là qui sont dans les anciennes classes politiques, en toute humilité, retirez-vous, laissez aux autres. Il n'y a pas que vous des génies, il n'y a pas que vous des docteurs ou quoi que ce soit. Arrêtez cette histoire. Laissez aussi aux autres. C'est même ça l'amour, c'est même ça l'alternance, c'est même ça la réconciliation. Non, arrêtons, parce que déjà la définition des leaders et des notables, c'est une définition déjà erronée. C'est la raison pour laquelle vous voyez le résultat. Aujourd'hui, on va te dire, mais Thierry Zondé, qui il est? Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est un notable? Comment vous définissez être notable et être leader? Très bien, merci. Allez, on va démarrer, honorable Peter Kazadi, tout à la deuxième ronde. Avant de terminer, on va prendre d'abord la réconciliation. Oh là là, merci Nabato, bazo réagir, merci pour la SMS, merci pour la question. Bazo ebele, ebele, na tombe libino, bolandi bolamu, avec espoir, que tozo le xabangonga malamu, po sango azongi lelo, na zunan ba message à bon retour, te sango boye imalamu, komelanga message, Ibisanga sango zanga kibison bon retour sango topesi nzambe merci lobango rosalanga bien nakoyoka bien bato bako souhaitenga bon retour bazali na sali 9 jours nazala kite nabiki na liwa lobalanga nzamba zo lokumu sango zongi komelanga mo message salanga bien numéro yangwana. Alors honorable Peter Kazadi, hier dimanche ezala ki clôture ba travaux sur la réconciliation katangaise entre Joseph Kabila ba des grands leaders bazali et Moïse Katumbi. Finalement, pour Kimia Ekota, comment avez-vous accueilli cette réconciliation à Kabila et Katumbi au sein de l'IDPS? Ça vous fait peur, selon oui, certaines personnes, dans l'échéance électorale 2023 Uzoya? Moutou, oya, botami penza malam. Ako silika, soki batu ba yon. So batu la sanganite. Ba sanganite. Nalandi bandeko bauti oloba. Bazo kumisa. Je connais un peu de Katumbi et de Kabila pour avoir été impliqué à un niveau ou à un autre. Ah, il faut nous parler de tout ça. Ce sont des gens qui se vouaient mutuellement à la mort. J'ai rencontré des gens de Kabila qui disaient que les deux là, il faut que l'un meure et l'autre reste. Bon, si aujourd'hui ils décident de se pardonner, c'est pas mauvais. Mais c'est comme Thierry Nzonde a dit, ce qui consangana na ezali na objectif politique, c'est que ezako sanganate.
Parce que Bazaki, ensemble politiquement, ils se sont séparés. Sur le plan politique. Sur le plan politique. Et chacun avait avancé des raisons. Nous ne voyons pas ce qui a changé aujourd'hui. Pour que Bazongana. Pour que Bazongana politiquement. Et ça serait un danger contre la République si on voit les ressortissants d'une province se mettre ensemble, tous unanimement dire que les pouvoirs, c'est nous ou rien. C'est très dangereux. Quel est le danger? Nauti Kolanda na Tongo, Kombo Andekwane et Chikez. Oui, oui. Il a dit clairement que pour lui, le leadership actuel est très faible et que nous, Katangais, nous devons récupérer notre pouvoir. Le pouvoir, il est leur. Oui. Il a dit l'élément sonore, Isa, ça existe. C'est enregistré. Alors, si une catégorie de Congolais, en tout cas, qui parle au nom d'une province, sur base de leur appartenance communautaire, s'engage dans une telle voie, c'est un danger pour la République. Ce qui, bisopé, ngai naza mutualo mami, na bengisipe ba leader, na bengisipe ba vielu manu, ba leader nyon soa village, na biso yamboka na ya province nanga, tolobipe, biso, c'est nous ou rien. Ba Congo pe, na Congo central, ba lobipe, c'est nous ou rien. Et ça, division yamboka, éclatement. Na Katanga, tous les Katangais ne sont pas que kabilistes. Tous les Katangais ne sont pas que des Moïse. Tous les Katangais ne sont pas que des Lidepes. Ou des Linafek. Ou des Linafek. Donc, il y a diversité d'opinions. Ce qui compte ici pour cimenter notre nation, il faut que les gens... Voilà pourquoi même on cherche la formation des grands ensembles politiques pour cimenter l'unité nationale. Mais quand il y a des gens qui se retranchent, et pire encore, sous la modération d'un archevêque. Mais c'est ça le rôle de l'Église. Non. L'Église est... Mais l'Église est là pour l'Église, pour mettre la paix. Ici, la dimension au Bango Bapesi, d'après déclaration à Chikez Naogina Tongo, ça n'a rien à voir avec l'unité nationale. Ici, c'est un groupe de gens qui ont perdu le pouvoir, qui décident de se retrouver au nom de leur identité. Mais c'est stratégique, où est le mal? Non, c'est ce dangereux. Il y a des gens qui peuvent s'organiser. Non. Vous n'allez pas empêcher la bateau de s'organiser alors que Bino vous a désordonné. Allez-y. Soki Kabila na Katumbi va s'identifier comme chacun président de son parti, avec tous leurs membres qui viennent de toutes les provinces. Puisque dans le parti à Moïse, il n'y a pas que des Katangais. Batoba province, Moussous, Bazali. Mukebai, Mukebai, Bakalombo, Bakamitatu, l'autre là, Moïse Monidela. Moïse Monidela, ce sont des gens des différentes provinces. Ceux qui bangouana pe, balongwe na parti à Moïse Bakéipe, balobi que non bisopé, il faut qu'à Kamatata, puisque Bazaba toi manye, Mamatata a candidat. Balongwe na parti ouana Bakéi, Basali pe réconciliation. Na sango na bangope. Po bangope ba na sango. Ça dit chaque province est gozala et gozala na parti moko tribal, ba parti politique comme ba parti moko tribal. Vous savez ce que ça va faire? Ceux qui candidat na biso abimité, c'est que biso tozali sous na Kongote. Po biso to linga tozala biso. Ça dit que nous tous nous allons voter que notre candidat. Ceux qui biso to bimité, unité nationale gozala. Ça dit balkanisation sous une balkanisation. Donc esa démarche moko très, très dangereuse pour la République. Moi, je suis pour que Kabila n'a qu'à... Bah, ça n'a qu'à derrière ensemble, ça n'a jamais posé problème. Mais Kobimi Sango, sous l'aspect communautariste, dire que nous, Katangais, nous voulons récupérer notre pouvoir, c'est très dangereux. Ils n'ont pas reçu mandat de tous les Katangais. Et les Katangais de l'IDPS qui sont au pouvoir avec Félix, et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ah bon, peut-être ils vont dire que non, bon, c'est pas peut-être l'un. Mais ceux qui ne sont pas du Katanga, qui sont d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je pense que... Mais la réconciliation katangaise n'empêche en rien la réconciliation nationale. Ici, il ne s'agit pas d'une... Honorable, ça, on doit se mettre d'accord. Vous ne pouvez pas empêcher province moko, oyoba, d'une fils à province, peut-être, bah, grand leader, n'a pas mis balai.
Mamoni, par exemple, que Moïse Katumbi, Kabila, le fait que Bayoukana. Vous parlez d'une province ou bien des individus? Je parle d'une province parce que la réconciliation. C'est ça le danger, mon frère. C'est ça que je dis. Une province doit. Katumbi et Kabila ont gagné. Katumbi Kabila, c'était 2011. Naïbissio, d'entrée, disait que je ne peux pas m'opposer à la réconciliation des individus. Mais engager toute une province dans sa lutte politique, ça devient dangereux. Kolobake, non. Ngai lokola naza kasayen, c'est nous les kasayen ou rien. Donc nazui ba kasayen nyonso na tie bango na lobi ke il faut kanga na bimaso kinga na bimité. C'est pas ça, puisque au Kasai, il y a des gens qui peuvent soutenir Katumbi, qui peuvent soutenir d'autres candidats. C'est pour nayo Katumbi na Kabila bazoluka balkanisation Congo. Mais moi je maintiens na discours ya Tshikeze. Ya Tshikeze, c'est très clair. Quand ils se réunissent, tous ils disent que pouvoir Nabisso. Mais Bazana a chancé puisqu'ils ne sont pas avec la population. La population katangaise n'est pas dupe. 18 ans, il y a pouvoir à Kabila na Katumbi. Et puis c'est le Romogote. Les Katangais, ceux qui Katanga, ils ont respiré les lots, ce n'est pas par la bonne foi, il y a Katangais au Bazaki na pouvoir. Non. C'est puisque Dieu a doté au Katanga des richesses au Yobatu. Il y a bipa, il y a bipa, il y a exploité. En même temps, Bakatanga peut pas bénéficier. Quand vous voyez politique moko cohérente, il y a développement à Katanga sous Kabila tomoni angota. Et là, on a Kabila a sali na Katanga en termes ya compte tenu à richesse à Katanga. Kabila pendant 18 ans, Moïse pendant autant d'années, gouverneur, a sali politique à développement nini oyo. Et puisque la richesse sur Isana Katanga, comme ça on est Dubaï, c'est un petit problème. Il y a des recettes, des taxes qui restent à la province. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Donc les Katangais sont aussi victimes de ces gens-là. Et ils ont besoin d'un leadership national, républicain, pour construire non seulement les Katanga, mais l'ensemble du pays. Moi, Ngaï Nagosepela, Batuba s'est retrouvé autour, comme une province, autour des objectifs de développement de leur province. Nenge bakutano ana bazui politique ba chepai et pemen monseigneur alobaki ke ba sur la politique mais discours ezobi ma c'est hautement politique. Donc il fallait qu'il bayo kana sur le développement du Katanga, ça c'est leur droit les plus légitimes. Quelle est la dimension politique au zopé sanakati ya forum ou ezobangi sabino la dimension tozobangate bon nazobanga sur le plan de la cohésion et de l'unité nationale. Ça je sens l'unité nationale est secouée à cause de quelques individus qui ont causé du tort à la nation. Bato, il fallait que normalement, Basambi Sabango, Basamba, Basalana Bologo, les voilà qui se retrouvent encore, qui disent que non, nous devons absolument, au nom de notre appartenance au Katanga, récupérer le pouvoir. C'est très dangereux. Mais restons logiques. Est-ce que vous pensez que Moïse Katumbi est ingrat vis-à-vis du pouvoir actuel, selon vous? Aza très ingrat. En quoi, par exemple? En ce que Kabila a pu mélaquer une nationalité, Félix Tshisekedi a une nationalité, Bilo Konaye, Ezaki confisqué de gauche à droite, Aye, a récupéré Bilo Konyon Soana, Namabe Nyon Soasali Otoebi, mais à quoi nous avons ce moyen on a commis qu'on utilisait contre Muto et à Sungiye, c'est de l'ingratitude. Selon vous, Moïse moi j'aimerais, on ne peut pas dire que Katumbi n'a pas droit de prétendre être président contre en face du président Félix. C'est-à-dire, vous êtes convaincu que Katumbi est congolais, mais il a été privé de ce droit. Papa, mais c'est clair. Biso to diskita gina batambulmamba. Ba la kisi biso que Moïse Aza est étranger. Biso toboy. Tant que toujours pouvoir, toujours ici les passeports, Aza congolais. C'est Gaza congolais. Oui. Ça dit, en 2020. Ndenge, Nazem, hein? Nazem. Oui, oui. Ah, il est pas. Ouais, où Libanais, on a confié. Ah, t'es Libanais, ok. Aza pe congolais. Je parle d'Ngoïmou Kena qui est décédé. Aza pe congolais. Alors, où est le problème? C'est-à-dire, Neto Zabo, tout argument monté en 2023 que Moïse Katumbi ne peut pas être repris sur la liste de candidats, sauf qu'il y a un candidat président pour Aza étranger. Ngaï, ça, on ne peut pas évoquer ça. Le débat, on a un débat qui a été fait. Il y a un débat qui a participé, a participé. Ceux qui ont voté Moïse, c'était pour Aza congolais de père et de mère, qui ont voté été. Mais pour éliminer Batou, il y a un débat. Je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes convaincu
na sincérité à ma partie où il va prendre part na Katia Forum. On a par exemple Moïse Katumbi yomoko lobia wake au départ selon ma information la possession na yo ezalaki pour bavanda kimia moko il faut kufa. Mais l'homme est appelé à évoluer, les lobes à se mettre ensemble. Est-ce que vous croyez dans la réconciliation? Est-ce que vous avez sa chance, crédit dans la réconciliation pour vraiment un séjour Omoni, série à l'Ikambo, sincérité, et à la kana, approche au bazui, et là, sa sincérité, et parce que quand on a convoqué cette affaire-là, c'était pour que les gens se réconcilient. Ça veut dire que ndengo ozo insister na émission oyo et il faut ils à la basalani mabé et puis il faut réparation et puis il faut pardon mabé basalani batikali ko lobango te balagi si biso ango te mais na suka ngai na okikaka biso bakatangé to sangani to ko récupérer pouvoir. Donc quelque part il y a pas la sincérité même entre eux. Exact. Il y a quelqu'un qui a fait son coup qui croyait que na eloko na ba ko betela ma boko ba ko misa yende champion na bango. Donc c'est un jeu de dupes. Nous connaissons un peu plus, nous savons comment ça s'est fait, qui est derrière, qui est l'instigateur, qui est le bénéficiaire, on le sait. Vous voulez parler de qui? De Moïse Katumbi? Ah, mais c'est lui qui a toujours manipulé. C'est lui qui a mis de l'argent. C'est un grand manipulateur, Moïse Katumbi. Il a manipulé tous les Katangais. Je vous dis que Moïse, c'est un grand manipulateur. Il manipule tous les Katangais, selon vous? Est-ce que Batouana va participer à des Katangais? C'est un groupe d'individus au Bazaki n'a pouvoir. Ils ont perdu leurs avantages, qui veulent se reconstituer. Les Katangais ne sont pas là-dedans. Si tu m'as dit bakatangé musu soa wa balobi keto tu bilo kan itali bisote. Bango ba bakatangé. Ko banga na binozo au-delà de cohésion sur le plan politique, on sent la peur de lui dépèse. Non, non, non. À lui dépèse mon frère, nous n'avons jamais eu peur d'un adversaire. Nous sommes des démocrates profondément démocrates. Nous savons que les élections c'est une compétition. Tokoki ko gagner, tokoki ko perdre. Mais ce qui importe pour nous, c'est l'unité du pays. Mboka Oyo, on nous a légué par nos pères qui l'ont fondé et Sengelité pour des besoins personnels, tout développer discours moko séparatiste, un discours dangereux anti-république. Ça, ce n'est pas bon. Il faut décourager ça. Toko kenena élection, Katumbi a la candidat, a la candidate. Moi, je travaille pour que mon candidat à moi, Félix Tshisekedi, gagne. Et je suis sûr que nous allons gagner puisque nous aurons un bilan à présenter à la population. Très bien. Alors, peut-être pour clore le débat, il y a ma camarade réconciliation parce que toujours, on a des parts et d'autres. L'alliance est commis au Salama. Alors que vous, de l'UDPS, n'a pas besoin d'une union sacrée, besoin d'une distraction. Aujourd'hui, Martin Fayoulou a reçu quand même Mata Tamponi. Il a créé un bloc patriotique pour avoir le pouvoir en place par rapport à l'action et belé. Anti-constitution, c'est hors la volonté de la population. Idée à bloc patriotique, aujourd'hui, trouver Mata Tamponi avec Martin Fayoulou, qui parle presque le même langage, même si Mouzitu n'est plus dans le camp. Oui, bien, Naboui, pour rappeler, ce qui n'a pas été le parcours à Fayoulou au camp. Non, oui, bien, Ote. Oui, bien, Ote. Et ça là, Namoutou, un homme politique inconséquent, est Martin Fayoulou. Inconséquent. Ah. C'est-à-dire? Inconstant, inconséquent. Omoni Mouzito, Kamere, Vital Kamere, Jean-Pierre Bemba, Tangou, Tosali, Rassemblement, Tosala, une opposition forte contre Kabila. Bandekouana, Baye, Bissot, Ngaï, Naugustin Kabouye. Président Tshisekedi Tindi, Tosenga MLC, Tosenga INC, et rejoindre Bissot dans le rassemblement. Ndenge Fayoulou a télémela yango. Hein? Aboya yango a lobi, bazaba traître, bazaba tuya Kabila, Tokoki ko sanganana bangote. Aboye banani baya. Jean-Pierre Bemba, MLC. INC de Vital. Fayoulou Abou Yango. Mouzito ndenge moko. Moutou akotisa, apousa Mouzito na rassemblement, Ezali président Félix. Mouzito abengana, vie kiakwama. Na réunion. Mouzito. Quoi, Fayoulou? Abengana matungulu.
Fayoul. Hein? Na réunion à lobby, soki bango baza on gana ko participer te, gana kei. Tolanda, vie qui a quoi ma qui est en vie, c'est un papa que je ne peux pas citer gratuitement. Tolanda ye, na vie matungulu, ngai, président Félix, na Augustin Potobonde la bango ba tenir rigueur na Fayoul te, bazo on gato sangana, to combattre Kabila. Fayoulou, ba image zo circulé ndenga traité matata. Donc, Azam Moutoumoko, inconstant, inconséquent. Voilà. Donc, ça dit entre. Ngai ko sangana na bango, ça me dit rien. Il peut ko sangana na moutounion so oa lingi. Ce qui est vrai est que nous n'avons pas une opposition. Toi, na opposition, ta? Ça dit, mousi, toi, tika liye moko. Vous me dites qu'il a décidé de quitter. Il a compris qu'avec Fayoulou, il n'y aura rien. Mouzito a refusé à Mokota bloc patriotique pour des raisons. Bato bazo lukaba sangana pour na Mouzito a trouvé que c'est incompatible. Bazo partage. Oui, on a pas raison naie. Mais moi, je constate tout simplement que nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, nous n'avons pas une opposition. Opposition exacte. Est-ce qu'il y a un danger? En fait, il dépasse finalement Bolingi Bato ba sangana te. Oh. Bloc patriotique, Boza Kongo. Naïbi, si Sangana, Boza. Finalement, bino, pourquoi Bozo empêcher Batouba s'organiser? Pourquoi Bino Bozo Gorosangaï Namunoko Makambu, Ngaï na lobite. Ngaï na pekisi, Moutou Asangana te. Na Sengi na Fayoulou, Nathalie Sio. Batounion Sazo Sangana na Bango na Nenga Treta Bango. Soki Lelo Asepeli ko Sangana na Bango, po bako ma fort, pas Sangana. Mais moi je constate que malgré ko Sangana Sangana wana, on n'a pas une opposition. Est-ce que vous sentez l'opposition ça beaucoup? Admettons on à part que les canaux TV, ton réseau social Kofinga, vous sentez nous quand on faisait l'opposition, on sentait qu'il y a une opposition. Hein, l'opposition c'est la capacité de mobiliser la masse, ce n'est pas la capacité d'insulter dans les réseaux sociaux. Hein? Partout au monde, on respecte un opposant à cause de son ancrage dans la population. Est-ce que vous sentez qu'il y a un opposant qui s'élève un bon matin, il dit qu'aujourd'hui, ville morte, toute la ville s'arrête? Yo, mon nom. N'est-ce que Etienne Tshisekedi a ça? Toi, mais la probable candidature, il y a certaines personnes en 2023 face à Félix Tshisekedi qui est candidat à la propre succession. N'est-ce que Katangi va sangani wana? Probablement. Loba ndenge bandambo ya bakatangé basangani. Ndenge bandambo ya bakatangé, merci pour la précision. Pour bakatangé mosusu bandimi na bango te, ndambo ya bakatangé ba oyo basangani pour na bango ba monique. Katumbi na Kabila ba leader ba yokani finalement il faut ba récupérer pouvoir. Probable candidat ya ba élection 2023, ya lisanga ya bato basangani na il faut za kaka Katumbi. Parce que Kabila vit la constitution a raison à la pouvoir te pour le moment. Donc, il faut Katumbi à la candidat président. Katumbi constitue un danger pour Félix en 2023, na maponomi boye. Aucun. Fayoulou, na matata soki bayokani, matata za candidat en 2023, Fayoulou pe azan en 2023. Au moni na ki candidat. Ma candidat nyon soa. Il y a des candidats qui le sont par stratégie politique. C'est notamment le cas ya matata. Matata a été mêlé avec la justice. Matata Sengaki, IGF, et blanchi rien dans le dossier à Bukangalonzo. IGF a sali Moussala sur demande à Matata, et là qui c'est que Matata a impliqué dans Bukangalonzo. IGF a eu dossier à Tindi, na justice. Parlement, Sénat, Oyo, Matata a membre, a levé ba immunité. Matata était à l'étranger, à lobby, que na zongi na mboka na gana kende ko samba, pona la kisa ke na za innocent. Jugement ici intervenant. Pour le lo matata lo bake, nga naza saint, il s'est caché derrière un pseudo arrêt, je dis bien, un pseudo arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait que matata ne peut pas être jugé. Ça, c'est une première dans l'histoire du monde. Un haut juge, le juge constitutionnel, qui refuse de juger un citoyen pour des faits avérés. Parce qu'à l'instant, c'est une fois, et sans bisa sous ma tête. En dehors, il y a Owan. Kaka ou Eboya Kiwan. Bangone ba ou sans bisa. Papa, au moni, justice, les droits, c'est une forêt.
Les gens qui ont fait ça ont cru qu'ils ont clôturé les dossiers. Non. Si notre justice veut poursuivre Matata pour ces faits, il y a des mécanismes pour y arriver, des mécanismes légaux. Alors, Matata, ce qui a l'ingé à se blanchir, à tel saké, Azali, Moussantou, à Yibité, hein, n'est-ce pas au loba. Anima ou genosam. Que kokende o, barobagi na gana kota na soki na union sacrée tango na boy, dit. Babiso yo nde to contacte ki la plupart abatu poto sala union sacrée. Je ne me rappelle pas un jour to fandi Matata n'a jamais été contacté. Papa Matata sala ki tina tango toujours renversé majorité ti tango azo comme candidat président de la République à Mouta FCC. Ye moko lo biango qu'il était membre du PPRD. C'est quoi ton genre ko lukele a. Eza donc c'est une candidature pour se victimiser, se rallier l'opinion nationale et internationale pour, afin d'éviter d'être jugé. Très bien. Donc, aucun candidat a zo bangi sabino en 2023. Vital Kamerhe nde nimboza na ikala. Vital Kamerhe mutu na biso. Na INC, c'est bon. Wana, eza batu tomoni na bango pasi. Po tozo a pouvoir au INC. Ya Vital Kamerhe. Bazo continue aux alaba partenaires. Batu tonyo kwa mina bango. Seul de les deux parties contre tous. Bon, Jean-Pierre Bemba pas Zanabino. Jean-Pierre Bemba Zanabiso. Bahati Zanabino. Bahati Zanabiso. Gentil Ngobi la paix Bozana. Azali Nabiso. Malgré un niveau assemblée provinciale, Bozaro Yogan. Mais Oebi, mais même la famille Ndeko. Quand il faut qu'on traite Magamamboka, il faut qu'on ait un sentiment au Tchapembeni. Vérité, nous sommes des alliés dans le gouvernement provincial. Nous avons trois ministres, nous avons des gens qui occupent des régies, certaines régies, mais cela ne fait pas que quand ça ne marche pas, tout le bâté que ça ne marche pas. Nous disons ça en famille. Zandoundeni. Je peux vous dire aujourd'hui que Zando est en pleine construction. Il y a ce que je sais. Je suis député, non? Il y a une information. C'est vrai qu'il y a eu une maladresse. On a cassé avant de réunir les moyens. Il y avait des gens qui s'étaient présentés que ceux qui ni bisotro ça la bonne boy ba casser ba toana bazongisi na minute il y a un partenariat. J'ai rencontré un banquier de la place qui m'a confirmé, je parle comme responsable, qu'il a fini les montages financiers, que les travaux vont commencer et il m'a même informé que ça commençait, mais je ne suis pas encore allé sur deux choses. J'ai dit ceci. Les travaux vont commencer. J'ai dit, ça, et lui-même ça, dit encore ça, les travaux ça, c'est, vont commencer. Ça, c'est il y a un temps que j'ai parlé avec lui. Ah, okay. Je lui ai posé la question, vous dites vrai. Puisque le problème, c'est l'argent. Dès qu'on a l'argent, il y a l'espoir. Je peux ici confirmer que l'argent pour la construction du marché est déjà là. Et comme vous venez de me le dire, je vais faire une descente pour vérifier effectivement ce qui va travailler dans les bandes. Très bien, alors on va terminer. La loi électorale. Ouais. Batubele, Namoni Delice et Sangazo Benga Batona Balabala dans les jours à venir pour que la manifestation et Sangamaka se prenne à côté les mêlés. Tricherie organisée au Isola Kisama. En quoi les quatre innovations et la loi électorale au G13 a proposé qu'ils ont dérangé l'Union Sacrée? Ils ont proposé trois changements. Ouais, ouais. 13 plutôt. 13 points. Sur les 13 points, les députés ont relevé des points positifs et d'autres pas. Par exemple, Tangou Zolobake, pour être candidat gouverneur, il faut député par député provincial Bapona. Élection dans le Salamini Assemblée. Donc, Netio Bolingos à la candidat, il faut nanonga na copte yo. Tangou Nazo copte yo. Na présenté yo na assemblée jour à vote ngai na bimi na voté té alors que la constitution dit que c'est moi député qui vote le gouverneur. C'est une proposition anticonstitutionnelle ce qui balongole ango
Yoga yo benga batu botambola pona yango. Mutu ezo sala bien te. Eza ebele. Mususu eza wapi. La même chose avec les sénateurs. Ce sont des choses qu'on a, pour raison d'inconstitutionnalité, on a écarté ça. On vous accuse d'organiser une tricherie en avance pour l'élection en 2020. Mais écoutez, nous aussi, nous avons accusé Kabila d'organiser la tricherie en avance. C'est un discours d'opposant, normal. Mais nous, nous voulons que les choses se passent dans la transparence. C'est pourquoi, au Moni, proposition à Bango, et y est, c'est adopté, leurs propositions sont acceptées, je pense, à plus de 60%. C'est pour des besoins de transparence. Ils ont proposé, c'est Sanga, c'est défini comme un opposant. Il nous doit venir d'un opposant. On approuve à 60 ou 70%. C'est la démocratie. Ce n'est pas puisque, Eza, honorable, c'est Sanga Moutoyen à loi. Allez, besoin de ça, madame, ou ça, anticonstitutionnel, non. Ils n'imposent pas, ils ont proposé. Mais oui, maintenant, c'est, il faut savoir se soumettre à la loi de la majorité. Ça dit, selon eux, comment ils ont défini opposant congolais? C'est un homme qui dit tout pour arriver au pouvoir, même des mensonges, même Makambo Zalanzelate, mais à n'importe quel prix, il est capable de tout dire pour gagner. Oui. C'est ça, un opposant congolais. Il y en a qui ont une vision, hein, qui cherchent à accéder au pouvoir pour réaliser leurs projets de société. Mais il y en a qui sont dans l'opposition, par exemple, aujourd'hui. Au moins, dans Moussoussouye, base n'a pas été raté. Siège même, il y a parti, il n'a pas été raté. Mais chaque jour, dans les médias, il y a une déclaration. Il y a un marché, il y a un marché. Si on tourne, il y a un lobby, non, on a la pression pour que les négociations se retrouvent. C'est ça, le malheur. Très bien. Qu'est-ce qui arrive dans les jours à venir, par exemple, après Koya et Apap, comment l'IDPS compte gagner les élections? On a quelle stratégie, par exemple? Ngaï Nabanzi, pour un parti au pouvoir, gagner les élections, c'est apporter un bilan. Ouais, ouais. Nous n'avons que l'obligation des bilans. Ma stratégie, n'est pas de s'organiser. Non. Bisso, tozo gouverné, le peuple attend de nous un bilan. Et nous travaillons pour ce bilan-là. Donne peut-être un petit conseil na bato bazolandayo bandeko basangalangi na katanga bazolandayo ba mova sakani ndeko Kabila ndeko Katumbi tous ces gens là bazolandayo si un message fort ko ebisa bango bazolandayo ba éviter ba discours o eko panzamboka mboka oyo bakoko batikela biso po ezala moko. Joseph Kabila a lobi qu'il a sacrifié sa jeunesse pour que le Congo reste indivisible. Tant qu'on a un discours au Ebimina Makambo Bauti au Sala, il y a un grand risque de diviser Mboko. Ba renoncer Makanisiwana, ba réagister, bâtir, Mutumoko a peki si Bango basa la coalition politique T. Bazala déjà na coalition politique na Moïse Katumbi. Ces questions à Kozwaka, courage, non, nous les politiciens, membres du PPRD, pas même dire nous les politiciens Katangé, non, c'est dangereux. Nous, les politiciens, membres de nos familles politiques, de nos partis politiques, t'ont décidé qu'on se mette ensemble pour te reconquérir ou te conquérir pouvoir. C'est ça le discours des hommes responsables. Aller là-bas au nom de la communauté, dire nous, Katangé, nous voulons récupérer, c'est diviser les pays, ce n'est pas bon. Très bien. Je vais lire deux communiqués avant de nous séparer avec l'honorable Peter Kazadi. Pour aujourd'hui, vous avez tout compris. Cette fameuse réconciliation entre quelques individus au Bazomi Bengakatangé. Moi, j'ai une manière de voir. Je pensais que on ne peut pas parler d'une réconciliation sans séparation. Vous êtes d'accord, Nangaï? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que binoba politicien, vous devez plutôt demander pardon à peuple, à la place que peuple a Sengavi? Oui, c'est ce que moi je voulais même proposer. Allez-y. Les politiciens, hein, en général, dans leur grand ensemble. Ce qui est la population dans un état où toujours déploré, c'est à cause des politiciens. Au lieu de s'engager entre bisoba politiciens, tous ces gens-là, pardon, pour na mabé au yoto salana na kouéle la ka gâteau, na kou détruire sa kamboka. Puisque ce qu'on l'endeli bien, na ba division en dengue bandai atangwa Kabila nanini, ezagi le kambombongo. Moko ameli moninga,
allez, agirez que yé tant que ngana ozala yé pe ozalaté. Yé wo musupe alobinga ipé. Donc ba welela mbongo ya moyibi. Mbongo ni zambongo ya population. Olé ba bo bengi ba caméra, ba micro, ba mona ndenge bozo yokana. Obi Kabila na katumbi ba welela mbongo moyibi. Mais zaki mbongo, bongo mbongo à l'état, izambongo ya yo. Nana ibanga. Ba welela mbongo à l'état. Pourquoi bengi mbongo moyibi? Mais puisque zambongo à l'état. Bongo à l'état soki lelo yo. Nga pe na na pouvoir té. Na kei soki kopo nini awa ya moyibi. Lari bimi, il fallait to kabolanga na yonga na melio to bandiko soana. Joto kolinga to yoka ne foto benga ba kamera to la kisake lokola yonga na nga to ba kasaye biso ba kasaye to yoka ni. Wani nga makamu na bino prive? Bokenda ko yiba mbongo na bino, bokaboli mabe, boswani, eske tali biso, eske sangaji ba village na biso? Ou bien le pays? Non. C'est ça le vrai problème. Très bien. Alors, on va prendre un élément, on va libérer l'honorable Peter Kazadi. Je vais revenir ici pour deux communiqués. Et puis, moi, mise au point, Moukoua Mouké, avant de terminer. Prenez-moi cet élément. N'est-ce pas, le Congo, il faut la unie indivisible. Katangé, vous rappelez à l'Oba qui bolandait tout à l'heure, Bango Bazo fustigé cette histoire. Le Congo n'a pas besoin d'un Katangé à la tête du pays. Le Congo n'a pas besoin d'un Kassaïen ou d'un Équatorien, Moutaban, Mouto Congo central. Nous n'avons pas besoin de ça. Le Congo a juste besoin d'un Congolais rempli d'honnêteté, objectivité, asa sérieux, asali patriote ya mboko, ne mboko ekokene. Ba politicien baza kokosa biso, population fongola miso. Baza kokosa biso ba politicien. Katangé, yo ebisangai Kabila za Katangé azalaki na pouvoir, qu'est-ce que les Katangé a gagné? Et ont gagné pardon. Tshisekedi azala na pouvoir Balou baba gagné nini. Kasavu bazalaka na pouvoir awa ba Congo ba gagnaka nini. Kizenga kufina livre d'or na ye ti lelo to tikale komona te. Papa akeyi, mbuta akeyi. Okobisanga bandu de gagna nini. Ti kizenga zaka premier ministre. Muzito était premier ministre, bandu doit gagner quoi? Faut me dire. Mobutu 32 ans Équateur na utaki na mbandaka. Tala Équateur ndengezali. C'est-à-dire tribalisme, bikolo na biso mutezo changer mbokate. Bikolo na biso zo changer mbokate. Mobutu na pouvoir, to monaki, bato Équateur na kacho. Le soke zalaki avantage ya tribalisme, c'est que bangala na eru wana wanyenge bako ta kacho te. Kabila katange na pouvoir, pa katange na kacho, ba katange na ba exil. C'est-à-dire, ekolo e sauve bangote. Ba kasayen, awa Félix Tshisekedi na zala pouvoir, il y a de kasayen au kacho. Pour vous dire que, ici, il n'est pas question ya ekolo ya moto. Toute la question ya ekolo te. Bolongo na demo ezo kabola biso ya ekolo. Ba politiciens ba ngi ba kabola ngana yo. Bobi mana ba parti wana. Bobi mana lokuta na bango. Eza ba morgue place ba mbome biso. Bobi mana biloko yo. Tozane loko toko gagné na katite. Bangonde ba tiemboka na situation oyo. Bangonde ba tuba bebi simboka. Mais politicien à un certain moment, alingia konza, obomi mboka mefuna sengo pardon, te, yonde fo senganga pardon. Nga ina vi, ba na classe to tanga gina bango. Bisonyo sto yebaki depuis Kala Moïse Katumbi est un Congolais. To yebaki. Toko mana 2018, Moïse Katumbi fwa postulé, ba bloke Moïse Katumbi ako tika la ko postulé te, parce qu'il n'est pas Congolais. Mais maintenant aujourd'hui, autour ya forum, on présente Moïse Katumbi comme un Katangé. Mais dites-moi aussi, je dois comprendre. C'était un mensonge. Moïse n'était pas un Congolais ou il était un étranger. Prenez le courage d'aider le côté pédagogique pour bananabiso bayoka. Quand vous êtes dans l'opposition, bofinga Kabila, botaxe Kabila bakomonios. Mais quand vous arrivez au pouvoir, pile moko vous avez courage à kolobake Kabila makamios kolobaka tokose la rabine. Mais de l'autre côté, Kabila quand régime passé traité Moïse Katumbi d'un étranger. Lelo bazong si est Congolais. On manque le courage de nous expliquer. Quand Moïse Katumbi dit, j'ai quitté Kabila parce que c'est l'incarnation du mal. Les Jida. Aujourd'hui, j'ai vu Katumbi ensemble avec Kabila. Il était en face d'un Jida ou il était en face d'un Christ ou un Jida converti. Bah, politicien, bonio koli mili mon abisso, bonio koli biso, toko la nanani. Toko sanganana bangote. Yé Félix Tshisekedi a pesi Kabila maboko. C'est que maboko za kobeba kuna cuisine. Mais lelo Martin Fayulu na matata. Je ne comprends rien. Je suis perdu. Je ne comprends rien. Bango nyonso bazo zonga kaka yobo.
Nenge tolobaka Kabila lokola je pas c'est une expression ça peut vous faire mal hein, mais nenge tozalaka na kati ya société bozala mwana mwasi moko batune zo zoloba pechora nga sina linga yete ngapena linga ah nga linga ina bumbu basera bova na bumbu atenga linga ina bandal te nga tanga kenda ka Paris Kabila za lokola mwasi o batwe bele presque balinga sigoye bakansa ka lokola nga na onalia kuna te yango live lemba koma kitina niveau ya koloba ke ba politicien nyonso batombola boboko nani aliaka na sana mobali na ngai Kabila zo koma lokola dénominateur commun na lobaka ngola mikolo ene kaki bozwa Kongo lokola ndaku bafongole za 4 Kabila pesi bino 3 matikali na fongola moko so bolali ya ko fongola ndeko silisa na silisa silisa on va parler ils ont un message moko batindeli nga ya wana allez-y na ami moko étranger à lobi na ngabo ya wana lingo tanga ngo kasi Isaiah est destiné na autre allez-y Abi Peter, avant de quitter les studios, tu peux dire à Israël que la connexion est trop mauvaise. C'était coupé presque un quart. C'est un problème de leur serveur. Il n'y a pas de problème. Bon, ils ont un souci à quoi améliorer. Il n'y a pas de souci. Donc, connexion, nous sommes dans un pays connexion dans la problème. On a tellement suivi que ce qui est baby, public, nayo. Si, si. Alors, ne nous enterrez pas rigueur, tu veux qu'il remarque un abino, mais. Oui, bah, le débit est toujours utilisé. Tu as la 4 internet. Mais il y a une connexion. Fibre optique, il y a une fibre optique. Oui, il y a une internet à régime. Internet. Très bien. Allez, on a fini. On va prendre cet élément. Je vais faire une mise au point avant de terminer. À tout à l'heure. Mes chers compatriotes, je reviens encore sur le problème de la réconciliation katangaise. Ah, mais non. On doit se dire de vérité quand même. Il y a beaucoup de Katangais qui ont parlé, Balobi, mais non, Mambo et Talibinote, Zambou Katangais. Mais non, le Katanga, ce n'est pas une propriété privée de Katangais. Non. C'est pour tous les Congolais. C'est pour tous les Congolais. Alors arrêtez de nous amener dans un tribalisme. Oh, il y a des Congolais, bah, dans la poussée, dans la montée. C'est du tribalisme. Tout le terrain en athée. Nous devons se mettre ensemble pour sauver ce pays. On doit sauver ce pays. Ce pays nous appartient à tous. Et alors, photo sangana et longo pour te tomber la moka. Et puis, l'obito mona, forum du Grand Kasaï, forum du Grand Bandundu, Équateur, Baneko, Mopé, Borsala et Abamo. Et après, quelle leçon pour Opé Sanabiso, peuple congolais, Binoba notable. C'est vous qui dirigez. Pour Opé Sanabiso, leçon ni conseil ni. Nous disons non à cela. C'est du tribalisme. On veut être ensemble. Le Congo restera uni, un et fort. Et alors, cette histoire, on doit arrêter. On doit arrêter. Nous avons besoin du changement. Je l'avais dit, le changement, c'est mental. Nous devons changer nos mentalités. Surtout vous, les notables, vous devez changer vos mentalités. Parce que c'est vous qui dirigez. Mentalité, ni vous en avez un mot. Il y a corruption, il y a détournement du dernier public, et il y a Kimouté Mamabe Kaka. Manque de patriotisme. Et pourtant, Boza, on a pour le peuple congolais. Boza est redevable pour le peuple congolais. Donc, c'est grave. On a vu la conclusion. L'ancien président de la République, le sénateur à vie, Namès, à Koti, et l'ancien gouverneur du Katanga aussi était là. Et Bayambani, tout le monde a crié. Tout le monde a crié. Donc, on a compris que c'était la réconciliation de deux personnes. De deux personnes. Pas la réconciliation. Il y a Katanga Mobimba Katangé. Non, non, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. C'est bien d'être ensemble, mais on veut une réconciliation nationale. Nationale. Où on voit, tout le monde voit un Katangé, un Kassaïen, un ressortissant du Bandundu, Nekongo, Bissonos Tosangani ensemble pour sauver ces pays. On n'a pas besoin de Babiloko, de Bozosala, de Nassena, de Kartini, de Nassena, de Nassena. Beaucoup de gens sont posés à Bitumbate, tous sont posés à Kokabwanate, tous sont posés à Longa, de Tonga École. Alors. Très bien, alors je vais lire un communiqué. République démocratique du Congo, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Communiqué. CNSAP numéro CNSAP bar CM 2022-009 concerne transfert à la CNSAP
de la prise en charge de tous les agents des carrières des services publics de l'État retraités avant l'année 2017. La Caisse nationale de sécurité nationale des agents publics de l'État, CNSAP, en sigle, porte à l'attention de tous les agents des carrières des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours des carrières avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la CNSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ces transferts faits suite à la réforme de la retraite pilotée par Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022, cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants des pensions et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés, à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ces faits, toutes les personnes concernées devront se présenter pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la CNSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter et composer des documents ci-après. Une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient en joindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation des veuvages, le procès verbal du conseil de la famille désignant les liquidateurs, l'attestation des fréquentations scolaires des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, les contrôles s'effectuera aux installations de la CNSAP, sise au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue résidentielle et au deuxième niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, en province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge des retraités en rentier. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. C'est les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la CNSAP. Pour plus d'informations, les personnes intéressées peuvent contacter les CNSAP au numéro 082 99 08 482, je rappelle, 082 99 08 482, fait à Kinshasa, la direction le 19 mai 2022. Très bien. Allez, on est là. On va terminer. Il y a aussi un autre petit souci au niveau de RTNC. J'ai lu un article, Batoubakoumi, Makambo RTNC, où on accuse le ministre Patrick Muyaya de beaucoup de choses. Mais avant, le balan de Makambo Muyaya. Makambo a câble et a courant. Makambo a câble et a courant. Câble et a courant, oh, zalagi na Kanluka, électrification et a Kanluka. Pour électrifier kaka Kanluka te. Mais Congo Mobimba est une urgence. C'est un besoin le plus important. Parmi ba besoin. Bazui li kanisiba électrifier Kanluka. Mokonzi mboka lobi faut bâtir à Kanluka parce que président de l'Assemblée nationale peut a suggéré qui Kanlukeza na mulili depuis Kanlukeza na mulili kure zarate. Bazui ma kanisi a ko électrifier Kanluka. Ce qui est une bonne chose. Sikoyo, IGF, Moto Sengeli, Atala Misolo, a komi mokanda na DG Asnel. A komi mokanda lobby na DG Asnel. E Sengeli bo sala nyonso e koki na pouvoir na bino. Po ba exécuter projet wa. Ya ko électrifier Kanluka.
Donc, mais besoin de un dossier à Bacablo, là, qui ça qui en a. Il y a un autre. Ça veut dire que. Zéla, Galassilis. Zéla, non, 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 non. Zéla, Naïbisa. Zéla, Gatosis. N'a la pression, non, Maloubate. J'ai. N'a non, la pression, Maloubate. Ah, Tikana Sunga. N'a copé ça. Yo, Sunga, n'a rien à Zablo. Ok, n'a zozé. Ma député, Bobi, Mme Makambo. Ma député, sortez de papa, Zéla. Moussala, il y a député, Zali à Kokeng, Zéla, Bolamou, il y a population. Ah, Namonaki, si Namonaki. Mais n'est Zéla n'a silissa. Yo, Zéla n'a mouké. Oh. Namonaki, mais Oyebina nous l'ikalista n'a idée. J'ai vu un député national. Papa, Zéla. Akei, Atalisi, Bakab, l'on a abandonné. Il s'est avéré qu'effectivement, Esikawa n'est pas le pangou, il y a Mama Wana. Mais il y a un contrat qui fait que Esikawa n'a pas Snell na mama wana bayoka na ki ba déposer. Et puis ils ont bisa onde ko, c'est une information. La Snell a même avancé à cette mama là $500,000. Problème exact. Tu vois, on dit 500 nek ende. Ngina la ki sa yo, problème exact. Mama wana préfinance ka ye moko. Lokola partenaire nyonso. Alinga koti sa yo kona kati ya société azan entrepreneur. Mais Snell a sa pesa yo pona dossier wana 500,000. Problème exalité. Ezala ba pesa yo. Alors tu goto tika passation ya marché ezali respecté. Là c'est un autre fait. Ah mais c'est est-ce une raison puisque il y a une mauvaise il y a non tout le temps naté. Laissez-moi continuer. Est-ce que c'est parce que passation des marchés salami mabe $500,000. Laissez-moi. Il y a l'état congolais et que n'est pas moment là ofélé. Laissez-moi continuer. Allez-y. Mama Oyo, azala ba relation malamu na direction ya Snell. Biloko ebele batu bazo souffrir na Congo ya ngwana. Toyebi batu ebele ba nginda de bongo. C'est-à-dire mutu moko azala facilité ndeko na moko kozala mokonzi quelque part a ebisi lokola to somba ka ba papier yo mutu bando fournir ba papier. Je vous le conseille. Mais respectez la procédure ya passation ya marché. Place ba telemi libino nde ya ngwana. Oui, et puis talo ya biloko bozo tia. Si on a 10 à 15 dollars, il multiplie en gros fois 10. C'est de là que le problème est au coma. L'IGF n'a pas demandé que bon que nous avons dit maman et à Snell Baba de Sala Moussal. L'IGF s'est adressé à DG à Snell. Que le projet il y a qu'à électrifier Kaluka et Sengeli Kaka et Salama. Ce qui est normal. Mais si Snell n'a la compétence, il faut Luka, l'entreprise n'a pas de salaire à Moussala. Mais l'entreprise va gagner appel d'offres, ce qui est Salamaki, tant qu'on va gagner appel d'offres, l'IGF vient encore contrôler. Maintenant, en deuxième position, il trouve que la Snell a exécuté, mais bateau y a zo sala na bango mosala, va respecter procédure à marché, pe batalo na bango zalikolo. On bloque là, on va bloquer madame. Même si on t'a donné 500 000 à l'État, Izonga. Bakoki kozongisa. Yebisa maman wana. Bakoki kozongisa. Bakozongisa. Eza yo yo ya ba. Problème eza yo yo ya ba. Eza te ke mbongo ebimi. Après, bakati mutu atikali na mwa vandi na mwa. Ako zongi voilà. Sa mbongo ya leta. Soki bakuta kye mbongo wana esengali ya zonga. Eza mbongo ya leta. 500 000. Eza ya zonga. Baluki bakuta na ngayi. Ye mama wana tindi batu bakuta na ngayi. Tango na lobi makabuwa. Me logolo utangi ifu wale kape ya opesa. Na tango mbona ite? Oh. Yo za jirisi. Yo uzolo ba mama wana. Mama wana. Utangi na komo na ye. Utangi. Awa. Na ekstre na osa. Komo na ekstre na yo. Nga na tangi kombo wa Stefani. Ah. Bon Stéphanie, comme yo soka comment tu combo Stéphanie. Ah. Yo zaji. Na za étudier en droit. Mete la zola nda yo. O samba bambalebele na yoka. Yo ki komba. Baluki bakuta na nga samedi ba benga la téléphone. Po ba pesa nga mwa chop chop. Po na lo bezute. Na boy. Ba pesa nga rendez-vous à 13h. Po to kuta la kure pa na bango na boy. O boy chop chop. Na go sala na ngoni. Ba benga to kuta na pe libanda. Na boy pe. Ba utiliser muninga na mongo wa malamu. Muninga na nga mwa na taka komo na ezate. Na décevoir muninga na nga na koya teo. Na boy na nga koya. Ale batindi lisu master moko journaliste. A benga pe na téléphone. A yeti ya wana ba document. Aya ko convaincre ngai ba pesa moi eloko pona sauver maman na boy ngala zo kambongo wana na boy ba ilo document bazo bisanga ko document na moni eloko te ba ko document o documento ba ila ko za mo te mama bi na boy na ngai mama na ko kota ba kabu na yote zongisa yoyo ya bana mama Stephanie we tikali wala folu ka soki Stephanie nani soki mbombo soki mutumbo ndo lukana très bien alors on va terminer RTNC RTNC wana, eza RTNC à l'État, eza RTNC à yo mouto a jam to sala konate, eza société à l'État. Baninga langa ba journaliste. Gouvernement nabiso a juste stratégie à travers ministre à communication. Bako kako salaka, eloko tozo benga redevabilité.
Azo tourné ba émission ou eza presque ba émission bilan pour na gouvernement na yé. Bino bozo peki sa l'état a jouir na eloko yé mokaza mukolo nango. L'état fo futa bino mbongo mbongo ni na ko futa bino. Ba syndicaliste ba li ba menacer. Je vais vous lire quelque chose. Manipulation, menace, relais de câbles montés par certains directeurs et journalistes improductifs, instrumentalisés politiciennes sont la marque des fabriques de l'intersyndicale nationale de la RTNC. En croire des sources croisées au sein de ces médias publics, la première pièce en date remonte du 19 mai 2022, où dans un courrier adressé au directeur général AI de la RTNC, avec ampliation au ministre de la Communication et Médias, le président intersyndical Joseph Chibangu Kaboy et ses collaborateurs se livrent à un montage hasardeux. Mensonge grossier constaté. Au nom soi-disant du personnel, ils affirment que le ministre de la Communication et Médias a pris en otage 80% du temps d'antenne avec des émissions extérieures, allusion faite au briefing presse et redevabilité. Bien que l'une a laissé la place à l'autre qui temporairement permet à tous les membres du gouvernement de rendre compte au peuple de leur gestion respective, 12 mois après leur entrée en fonction, cet espace à lui tout seul ne peut donc nullement, à moins d'être de mauvaise foi, occuper 80% du temps d'antenne de la RTNC. Dans leur logique, l'occupation de ces 80% du temps d'antenne signifie que le ministre de la Communication et Médias diffuse des émissions pendant plus de 14 heures chaque jour, alors que la RTNC ne diffuse que pendant 18 heures de temps entre 6 heures et minuit. Mauvaise foi manifeste, poursuivant son analyse, troquée l'intersyndicale national de la RTNC a, d'après nos sources, fait preuve de mauvaise foi après avoir constaté que 33 techniciens de la RTNC et 4 directeurs sont commis à la production quotidienne de l'émission, redevabilité et bénéficient d'une prime quotidienne. À cela s'ajoute le fait que 7 à 10 présentateurs soient journalistes de la RTNC et que seuls les grands écrans de projection installés en fond de scène et commandés une équipe extérieure qui a loué ces matériels que la RTNC ne dispose pas. Des analystes avertis, pensent que cette action de l'intersyndicale contre la production de redevabilité serait politiquement motivée pour intoxiquer les agents de la RTNC en vue de bloquer la diffusion de cette visibilité des actions du gouvernement réalisées pour l'intérêt du peuple congolais. La RTNC est incapable de se prendre financièrement en charge. Incapable, Bolema, peut-elle vraiment demander au gouvernement de payer l'espace de diffusion de sa commission alors que c'est le même gouvernement qui paye sans arriérer les salaires du personnel et s'emploie à augmenter les barèmes salariales de ces derniers? Action isolée de l'intersyndicale. On va terminer à lire cette correspondance. Il observe qu'un agent de la RTNC s'en est signateur car étant visiblement au courant de la situation interne. Cette action visiblement manipulatrice de l'intersyndicale de la RTNC, dirigée par un retraité d'une société brassicole, devrait obliger le gouvernement à accompagner la RTNC, tout comme d'autres entreprises publiques, dans les processus de respect des mandats électifs des syndicats intersyndicales et des mobilisations des pratiques syndicales. Cela garantirait la bonne mise en œuvre du gouvernement, des relances et des structures étatiques par le gouvernement.
Pour d'aucuns, il est donc temps de libérer la RTNC de cette intersyndicale manipulatrice, hantée par des vieux démons réfractaires aux réformes visant la modernisation, des ménopausés intellectuels, des gens qui sont dépassés par les événements et en panne d'imagination. On a fini pour ce matin. Au sol, comme Nasuka. Lilobano Asuka. Non, merci Mingi. Na ndenge o bengi singa na plateau na yo. Na banzi to meki ko so na o yo to kwa o sur la situation du pays. Unité à pays est à plus que tout. Le pouvoir pour le pouvoir, même au détriment de l'unité nationale, ce n'est rien. C'est ezakolanda mon pépé. Oti koloba awa. Ezala Tshisekedi azokangisa bakasayen, ezala Kabila akangisa bakatangi, ezala Mobutu akangisa bato ya Equateur. Bolamu ekouta kaka na muto tribu na ote, muto ekolo na ote. Esengeli to cultiver esprit républicain to lingamboka. Aujourd'hui, les grandes nations bazokende vers la consolidation, vers l'unité, vers l'union. On a l'exemple de l'Union européenne. Les États-Unis, c'est un assemblage des nations. Et ici au Congo, nous voyons un groupe de gens qui s'élèvent parce que bazan a pouvoir te babandi ko prôner division. Donc, ils ont bénéficié na moya lelo. Il faut tout tikala na Congo uni, solidaire, uni par l'essor, comme dit notre hymne national, pour le bonheur et le développement de notre nation. Très bien. Loba malamu pona Congo, Kanisa malamu pona Congo, ça n'est fini pour ce matin. Lobito Rosala na Luxus légal a Rosala invité à Bosolo na première ligne, deuxième ligne a Rosala débat. Lobia Roya to retourner mituna ça est un plaisir. Nazala kité bato belé ba fêter l'anniversaire na bango nazala ba nyongo honorable Peter Kazadi. Yo Rosala sou eli pour la deuxième fois na Moamba. Na loti na ndoto Rosala sou deuxième fois. Na loti. Na son na loti te na lobaka te mais na loti. Alors, on va prendre Batu Bélé, Fetek anniversaire. On va commencer par exemple par Maman Esther. Mamie Esther depuis Canada. Azaraka Moko ya Balandi ya Bosola, les Kakape à l'Orola invité à fêter anniversaire naïe depuis Canada. Mamie Esther Yohana. Oh, depuis Canada. Happy birthday to you. Motama Elamu. Joyeux anniversaire. Mamie Esther depuis Canada. Happy birthday to you. Moi si à mon tour. Na pe si yon bote place mon bel mazali. Na zwa mama. Alors, deuxième anniversaire. Ça, c'est Mamie Esther. On va prendre la femme de mon frère. Mon grand frère à moi. Sa chère épouse. Marthe Diakese Bazei. Mon Martha. Mon balinae Maurice Eombo. Yewana. Awazaki de passage na Kinshasa. Azana Suisse na Zurich a ayaki awa kotala biso anniversaire na epe zalaki sango azalaki te. Happy birthday to you butugulu kya mbote. Happy birthday to you Marthe Diakese Bazei mon momi avie. Happy birthday to you longévité prospérité bonheur Martha alingi o mingi moi c'est un grand frère. Téléspectatrice Moussouza Bosolo, Anne Nsanda, avant-dernier anniversaire. Azola Nabiso depuis Paris. Nsanda Anne, Nazala Kite, au fêtaki anniversaire. Mbotama Elamu, Anne Nsanda, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouh! Anne Nsanda. Alors, on va terminer avec moi, là, il y a Jean Abiso Azaliawa. Boluki Kongolo Luango Akilas wana mwana ya jana ngainga na komi lokola pepe na ye mwana ye wana koksi inane to yembelie joyeux anniversaire notre bébé Boluki Kongolo c'est pepe qui te dit ça happy birthday mbotama elamu onyoso baleki ya Yohan merci beaucoup. Alors bon retour à précieux Muyoko mon premier fils il est guéri. Bon pe sans nzambe merci précieux Abiki azongeli biso ata moi convalescence. Menzamba zong si mwana nanga na nzoto malamu na pesio merci au bateli précieux. Toi tu connais la fin avant le commencement. Merci na tongo alelo. On va se retrouver très prochainement
pour un autre numéro. Merci à Mamelo pour avoir tenu l'antenne d'absence Yasango. On va se retrouver demain à la même heure avec Lexis Legal et le débat pour la deuxième rencontre. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Après mupepe ya mabe ya COVID-19 oye baby saki makambu ya voyage zela efungwemi avec Joe Biden pe Kamala Harris obetaki deve loteri yebete koyinda mabe a partir ya le 7 mai oyo na 18h era Kinshasa ba resultat deve loteri 2023 eko bando bima biso nyonso toki mambangu na basibe ya café Ben Lobich oyo ezwami na avenue Estanja numéro 2 en face ya hotel Phoenix na bon marché na commune ya Barumbu oyo ya changu ekangami na immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Ezalinga inde kuna bino Ben Lobich na eko annoncer bino ke résultat de la loterie 2023 ekobima. C'est samedi 7 mai à 18h. Yango si ba cyber café Ben Lobich e fongoli ba porte na bango pour na koyamba bino, pour na kosunga bino, pour na ko vérifier ba résultat na bino en toute sécurité. Et tozali ko senga na bande ko ba ko gagner ba bureau na biso ezali awa. Ezali ko yamba moto nyonso pour na kosunga bino na ba conseil, kosunga bino na encadrement pour ete bozo ba visa na bino pour boko kisa ba rêve na bino américain. Pour na ba oyo ba ko gagner deve loterie oyo kasi bazana mbongo te pour na ba démarche ko voyager pe akay. Yebe te nyonso ko zala prise en charge na ba cyber café Ben Lobich. E bongo yo muto zala kana poto France, Belgique, États-Unis d'Amérique, otika mwana tope famille na yo na République démocratique du Congo, ozana posa ba koma na mboka Oncle Sam veut dire États-Unis d'Amérique, occasion yangoyo. Benga na ba numéro oyo +243 81 81 11 214 001 202 913 89 20. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 Avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamu. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.